Surgissant de ma mémoire, cette épouvantable histoire, digne du grand Edgar Poe, me glace encore le dos. Dans une France d'un autre âge, à l'orée d'un petit village, une sinistre chaumière abritait une sorcière, une vieille au teint jauni, une mégère, une furie, qui chassait à coups de bâton les chiens et les vagabonds. Sa face mortuaire, des verrues spectaculaires, toutes hérissées de piquants, terrorisaient les passants. Heureusement, la gredine n'était point du tout câline, car ces touffes d'épineux auraient crevé quelques yeux. Dépourvue de cœur et d'âme, cette abominable femme affamait son cher mari qui couchait dans l'écurie. Le traité de fainéant, car il ne trimait plus au champ. Dégoûté par tant de haine de sa condition humaine, il se cachait dans le verger, derrière un vieux tronc de pommier, dévorant tel un glouton les beaux fruits de la saison. Dans son jargon du pays, en parlant de son mari, elle disait à ses voisins: faut-il que la mort n'ait point faim. Un joli conte de fées, on parle souvent du passé, à l'époque de ces gens-là, ceux de la terre de Zola. Il y avait surtout la misère, jusqu'à l'heure du cimetière, servitude, abnégation, sans parler des privations. Quand je reviens au village, la maison sous le feuillage, où vivait la mère Goujon, me donne toujours le frisson. Quand je reviens au village, la maison sous le feuillage où vivait la mère Goujon me donne toujours le frisson.